Salut à toutes et à tous, c'est Madgen. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dead Creeper Islands en compagnie de Blacksoft. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Blacksoft et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dead Creeper Island pour une nouvelle vidéo pour l'épreuve du confort. Donc, la nouvelle. L'année numéro 2. Dans l'épisode précédent, j'ai tout perdu. Je suis tombé dans la lave. Crapez en haut. Donc voilà. Donc on va commencer. Je ne sais absolument rien. Voilà, donc je lui ai rien dit. Et maintenant, donc ce qu'il faut faire, Blacksoft, viens. Normalement, tu as un livre. Voilà. Parce que moi je le connais. Épreuve de confort numéro 2. Aléa, Jaka et bonne chance à tous les joueurs. Blacksoft et Magic. Alors, Alea Jacta Est, en fait, c'est du latin, je vous explique un peu. Ça veut dire les jeux sont faits. Alors, l'épreuve de confort. Tu m'entends plus ? Non. Et là, tu m'entends ? Un peu moins. Tu m'entends pas, là ? Là, c'est bon. Ah, c'est bon. Donc, Alea Jacta Est, ça veut dire les jeux sont faits, donc c'est ce que j'ai dit. Et l'épreuve de confort se fait sur la petite île en face, là-bas. Donc, on va tout de suite s'y rendre. Les abonnés sont en train de voir ce que je suis en train de marquer. Bon, je suis pas très mature, c'est vrai, mais c'est rigolo. Voilà. Alors, toi, normalement, là, tu peux voler. Donc voilà. Non. Attends. Ah. Option de lot. On va faire aussi simple. Ah, t'arrives à voler ou pas? Non. Attends. Bon, moi je vais enlever la pluie. Faire l'épreuve sous un ciel dégagé. Apparition des monstres. Pourquoi je peux pas? Non mais laisse tomber. Créatif. Viens là, on va tout de suite, on va y aller en survie, c'est pas grave. Il n'y a pas de requin. Allez viens. Oui. Donc la traversée est un peu longue. Ouais. On y est bientôt. Tu suis? Mais t'es où? T'es où? Alors, tout ça commence par là. Viens là, suis-moi. C'est un peu bruyant, hein. Viens là. Donc, ici, c'est... Je t'explique, il faut mettre autant de cubes jusqu'à faire arrêter le piston. Donc à droite c'est toi et à gauche c'est moi. Et là on s'en va un peu parce que c'est bruyant. Donc à droite c'est toi, à gauche c'est moi. Et il faut mettre autant de cubes. Non, tu reposes ce cube. Repose ce cube. Voilà. Je vais t'expliquer, ne fais rien. Donc il faut mettre autant de cubes et puis après une fois que c'est arrêté le piston, et ben on a gagné. Donc un bloc d'or. Arrête, hein. Un bloc d'or et une tête de creeper. Et pour avoir des cubes, viens là, il y a plusieurs mini-jeux à faire. Il y a ici, et ensuite dans le coffre, ici, il y a les cubes. Pareil pour ici. Ici, c'est une espèce de parcours, et ensuite, il faut creuser, ici. Et de l'autre côté, il y a un coffre avec des cubes, donc ne creuse pas pour le moment. Et ici, il y a une énigme à faire, viens là. Il y a une énigme à faire. On touche pas les leviers, sinon on a directement perdu. Et donc c'est une énigme. Donc viens, viens là, par là. Donc on va commencer. 5 minutes, j'ai vu qu'il manquait des leviers, donc ça va être compliqué. Donc ne fais rien, je vais juste passer en créatif pour avoir des... Non, mais enlève-toi de là parce que... On commence pas tout de suite, il faut que je mette les leviers. J'ai littéralement oublié. Dépêche-toi. Voilà, j'arrive. Allez. Attends.
Attends, j'ai pas vu si j'ai mis tous les leviers. C'est bon. Alors, on va commencer. C'est moi qui commence. C'est parti. Ah merde, ça commence bien. Donc, c'est un petit souvenir du confort numéro 1. Oh merde, je suis trop reculé. Normalement, je devrais pouvoir y arriver. Merde. Oh non, j'étais. Oh merde. Oh putain. Alors là, par contre, on n'a pas le droit de poser de blocs. Oh, le con. Bravo. Donc va poser tes cubes. Donc maintenant on va faire ça. Ah merde. Ah bien joué. Et maintenant il faut venir. Maintenant il faut venir faire l'énigme. Mais toi tu la sais l'énigme. Oui, c'est bien pour ça. Alors je t'explique. N'appuie sur aucun des leviers, parce que dès que tu appuieras sur un levier, et s'il est faux, l'épreuve s'annulera. Hein. Je t'explique. Alors oui, moi je sais l'énigme, donc si tu perds, les cubes se reviennent à moi. Et si tu gagnes, les cubes reviennent à toi. Alors, quoi ? Pas mes cubes à moi. Non, 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 les cubes qu'il y a dans le coffre ici, derrière la porte en fer qu'on ne peut pas détruire. Ben, il y en a assez pour arrêter le piston. Donc je te laisse faire l'énigme. Et ça commence par où ? Ça commence de quel côté ? Ben, par le panneau 1. Ouais, le panneau 9, pas ici. Le panneau. Le panneau 2 dit la vérité. Le panneau 5 dit la vérité. Le panneau 7 est un animal avec 2 pieds. 6 jambes, 8 bras, 2 têtes et un œil. Fais attention au numéro des panneaux, hein. Là t'as marqué panneau droit. Hein. Panneau 4. Le panneau 1 ment. Ok. Panneau 5. Le résultat est le panneau numéro 3 x 3, 9. Moins 2 x 2. Ça fait 5. Moins 1. 4. Panneau 5. Le résultat est le panneau. Ok. Panneau 6, le panneau 3 dit la vérité. Panneau 7, la réponse est le panneau 2. Panneau 8, le panneau numéro 9 fois 9. Alors, 9 fois 9. Là, ton trait s'est divisé ? Oui. Oula. 9 fois 9, donc 81, si je ne me trompe pas. C'est ça. 9 plus 9, 18. Et plutôt 9. Ah, vas-y, mais j'ai pas mon porte. 81. C'est pas compliqué en fait ce calcul. Quand on sait, il est pas compliqué. Ah putain, j'ai pas mal. Ah, j'ai rien en plus avec moi.
Je sais pas moi. Allez, dis-moi combien ça fait. Ben, 9 x 9, ça fait 81. 81. Que divise 9? Ça fait 9. Ben, plus 9. 9. Plus 9. Ça fait 18. Moins 9. Ah, ben d'accord. Ça fait 9. Fois. Fois 2. Donc moins 9 fois 2. Non. 10, non, 18. 9. 9 fois 2. 9 fois 2. Ça fait 18. 18. Moins 10, 8. Plus 1, 9. Dis la vérité, le panneau 9. La réponse est le panneau numéro 2 au carré. Donc 2 fois 2, 4. Panneau 10. Moi, je dis juste bonjour. J'avais pas quoi mettre. Fais attention. Si tu mets un levier faux, ce truc s'annulera. Attends, je crois que j'ai fait une erreur. Attends, 9, 4. Ah bah c'est bien. Non, pardon. Là c'est plus 1. C'est plus 1, c'est pas moins 1. C'est plus 1. Ah. Excuse-moi. Donc ça change tout. 3 fois 3, 9, moins 2 fois 2. Donc ça fait 5 plus 1, 6. Le panneau 3 dit la vérité. Le résultat, c'est le bon piston, quoi. Sauf que il y a des panneaux qui mentent. Donc faut y faire attention à ça aussi. Le panneau 7 est un animal avec deux pieds. C'est un animal imaginaire? Non, ou un... c'est un animal avec deux pieds, six jambes, huit bras, deux têtes et un œil. Ah ah, qu'est-ce que ça peut être? J'ai une idée, mais je suis pas sûre. J'aurais dit le Wither. Non, mais c'est quoi un rapport avec Minecraft? C'est un rapport avec quoi? Je sais pas. Est-ce qu'un animal, ça peut avoir à la fois 6 jambes et 2 pieds? Ah non. Donc, enfin, c'est quoi cet animal? C'est un... Sachant qu'il y a certains panneaux, c'est des menteurs. C'est un... L'animal, c'est un... Ou le panneau? Le panneau 7. Le panneau 7, c'est un animal. Le panneau 7, c'est lui. Le panneau 7, c'est un animal avec deux pieds, six jambes, huit bras, deux têtes et un œil. Moi, je pense que le panneau 2, il est pas juste. T'as le droit de casser les panneaux que tu penses qu'ils sont pas justes, hein. Ou t'as le droit de mettre quelque chose à côté pour mettre, par exemple, une torche, ou si tu veux, je te passe une torche ou une bouse à côté, ce que tu veux. Tu veux que je te passe quelque chose pour mettre, ou pas? Hein? Baptiste, il vient de faire une connerie. C'était le panneau 4. Hop, 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 t'as pas le droit. 5 blocs, c'est tout? Attends, j'enlève cette pluie de merde. 5 blocs, c'est pas assez. Ben toi, ça t'aurait suffi. Ah, oh, mais fallait les mettre autrement. Non, 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 c'est bien comme ça. Mais toi, ça, les 5 blocs, ils t'auraient suffi. Alors, je vais remettre des blocs à certains trucs. Hein? Alors, je vais remettre... Attends, 5 minutes. Ah, mais cela m'aurait suffi, quoi. Et personne gagne là du coup. Si, parce que je vais en remettre. Mais bien sûr, je vais pas en remettre à l'énigme. Hein. Oui, je comprends bien. Parce que maintenant là c'est. Je vais. Après on va l'expliquer cette énigme. Parce qu'elle est un peu énigmatique. Ouais. Ouais, mais j'ai bien aimé, t'as bien fait. J'ai cru qu'elle allait être trop facile, mais finalement non. Non.
Ah mais rebouche les trous qu'il y a là, sinon ça va être trop facile. Je les ai rebouchés, je les ai rebouchés. Ah ok. Je te dis rien. Il faut que je remette du coup ici aussi. Et on peut recommencer. C'est bon, t'as un survie ? Non. Voilà, c'est bon. Bon ben je pense que tu as gagné maintenant. Ça je suis trop fort. Ah merde. Non. Oh non. C'était la connerie à pas faire. Bon, on prendra un autre. Bien, bravo. Ah bah non. Bravo. Allez, t'as gagné ta tête de creeper et... Attends, je vais aller la chercher. Alors, tête de creeper et bloc d'or. Ouais. Voilà. Et... Voilà. Alors, maintenant, je vais te faire passer en créatif. Voilà, on est en créatif tous les deux. Alors, on va expliquer cette énigme. Viens là. Baptiste, viens là. Il est content. Alors, le panneau 1, il dit que le panneau 2 dit la vérité. Et le panneau 2, il dit que le panneau 5, il dit la vérité. Le panneau 5, il dit que le résultat est le panneau numéro 6. Alors, sachant que ici on par là, on dit. Voilà, non. Ah oui, si. Le panneau 7. Attends, je suis perdu. Non, panneau 3, il dit que le panneau 7 est un animal avec deux pieds, six jambes, huit bras, six têtes et un œil. Alors, un animal avec deux pieds et six jambes, c'est pas possible. Donc, cet animal, c'est à la fois. C'est un menteur en fait. Cet animal. Donc, si le panneau 7 c'est un menteur, la réponse est le panneau 2. Donc, c'est pas le panneau 2 du coup la réponse. Ok, on a le panneau 4 qui nous dit que le panneau 1 ment. Donc, si le panneau 1 ment et qui dit que le panneau 2 dit la vérité, ça veut dire que le panneau 2 il ment. Donc, le panneau 5, donc quand le panneau 2 il dit que le panneau 5 dit la vérité, c'est faux, il ment le panneau 5. Donc, ça peut pas être 6. Ok. Ensuite, on a le panneau 6 qui dit que le panneau 3 dit la vérité, donc c'est lui. Ensuite, on a le panneau 7, la réponse est le panneau 2, donc le panneau 7 était un menteur du coup. Le panneau 8, il dit que le panneau numéro 9 x 9, que divise 9 plus 9 moins 9, donc ça fait 9 x 2, ça fait 18, moins 10, ça fait 8, plus 1, ça fait 9, et ce panneau-là, le panneau numéro 9, il dit la vérité. Donc le panneau 9, donc vu qu'il dit la vérité, il dit que la réponse est le panneau numéro 2 au carré. Donc 2 au carré, ça fait 4. Donc la réponse est le numéro 2 au carré. Donc panneau numéro 2 au carré, ça fait 4. Donc le panneau 4, c'est lui. Voilà. C'était ça la réponse. Et tu t'es merdé. Ok. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même gagné. Oui. Non mais à la base quand j'ai construit ça j'ai dit on va faire un petit cadeau à Baptiste. Toi tu sais que j'adore ça en plus. Non parce que en fait ça je voulais pas le faire trop long parce que sinon on aurait mis beaucoup de temps à le faire comme la dernière fois. Et ça j'ai dit qu'on allait faire un petit cadeau pour faire ça là. Parce que ça c'est facile à vrai dire. Hein. Bon ben voilà. Voilà. Donc on a fini cet épisode. Donc c'est un épisode de Ed Cooper Island qui a été un peu court. Parce que finalement il n'y avait qu'une épreuve de confort dans cet épisode. Bon c'est déjà pas mal. Puis ça fait du bien des fois quelques épisodes courts. Parce que la dernière fois l'épisode il a fait trois quarts d'heure, c'est ça?
Donc, je l'ai... Ouais, il a fait... Dernier épisode, il a fait 3 quarts d'heure. J'ai pas encore fait le montage. Parce que, bah, on a fait... Là, on tourne... Là, on le tourne exactement le même jour. Voilà. Mais l'épisode, le tout premier épisode qu'on a fait, ouais, il a duré... Le premier épisode, il avait duré une demi-heure, il me semble. Qui dure une demi-heure. Ou un peu plus. Il avait duré 3 quarts d'heure, sauf que moi, j'ai fait des coupures. J'ai fait 2-3 coupures au moins de bien 10 minutes. Ah ouais. Parce que sinon, l'épisode était trop long. Donc... Là, quand on est au truc, là, j'en ai coupé vachement. Ouais. Et tu veux venir voir le mécanisme ou pas qui fait les pistons? Ouais. C'est un mécanisme tout simple, c'est lui. Merde. Voilà, tout simplement. Ouais, ça fait tchac, 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 tchac. Voilà. Bon, ben, ouais. Sinon on se... Allez, ciao. Enfin, je fais une petite pause, les gars, 30 secondes. Oui. Sinon, quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode ou de Red Cooper Islands ou de ces séries Minecraftiennes, survie Minecraftienne, pardon. Donc on se retrouve ou pour une survie Minecraftienne ou pour un Red Cooper Island. Allez, à la prochaine, bye bye.